Why do we worship greed? Because outside the limit of our sight, feeding off us, perched on top of us from birth to death, are our owners. Our owners. They have us. They control us. They are our masters. Wake up. They're all about you, all around you. Aucune trace tangible d'eux. Est-ce le plus grand mystère de l'humanité? Sommes-nous seuls dans l'univers? L'alien ou l'extraterrestre est une construction symbolique toute récente, et donc toute récente aussi pour le cinéma. Avant d'envisager d'aller dans l'espace, l'homme n'envisageait pas d'autre présence que la nôtre. Certains l'envisageaient quand même, mais ils n'étaient pas légion. Réduisant l'étranger à ce semblable qui se trouve hors des frontières du pays. Et maintenant, les frontières, c'est la planète entière. Cela remet donc en perspective qui nous sommes, mais surtout ce que nous sommes au travers de ce gigantesque univers qui nous entoure. Voyons à quoi se réfère l'alien en tant que symbole dans le cinéma. C'est surtout parti pour 120 ans d'alien en tout genre. Les ovnis, objets volants non identifiés, apparaissent dans les récits à partir de celui de Kenneth Arnold, aviateur qui aperçoit 9 galets plats dans le ciel le 26 juin 1947. À l'époque, c'est la guerre froide. Ainsi, les Américains sont sur le qui-vive de l'apparition d'une nouvelle arme de la part des Russes. Mais ce n'est pas concluant. Je parle surtout de la vision américaine car j'ai très peu de sources venant de la part des Russes. Mais les Russes frappent fort pendant l'ère du cinéma muet avec Aelita du réalisateur Yakov Protasakov. Sorti en 1924, il raconte l'histoire d'un scientifique qui construit une fusée pour Mars et rêve en parallèle de cette vie sur cette planète. Entre rêve et réalité, tout se mélange et il se retrouve bientôt au milieu d'un conflit de classe sociale martienne. Aelita est le nom de la princesse de ce royaume intergalactique, mais surtout chef de la révolte. On retrouvera dans Metropolis de Fritz Lang les mêmes inspirations pour la lutte sociale. Le 8 juillet 1947, une affaire retentit. Des soucoupes volantes, le terme est maintenant utilisé pour parler de tout ce qui est vaisseau alien, se sont crashées dans le Nouveau-Mexique. L'affaire Roswell est née, mais l'armée américaine ne laisse rien filtrer sur ce qui s'est passé jusqu'en 78, où un ancien lieutenant-colonel déclare avoir ramassé d'étranges débris. À partir de là, le cinéma va partir en couille. Alien Autopsy, un film de 2006 de Johnny Campbell, se moque d'un soi-disant documentaire sur l'autopsie des aliens de Roswell. Cette autopsie aurait été sûrement réalisée par des pros du maquillage et des bestioles sculptées. Le cinéma est un médium qui suit son temps et cela permet de questionner le monde qui nous entoure. Ainsi, en plein milieu de la guerre froide, là où les puissances du monde font un concours de bites pour savoir qui aura le plus d'ogives nucléaires, le cinéma tente de répondre avec des messages de paix ou tente de montrer l'avenir sur cette situation, avenir rarement rose. L'homme de la planète X d'Edgar Ulmer et Le jour où la Terre s'arrêtera de Robert Wise, sorti en 1954, propose qu'un alien vienne en paix pour nous calmer les ardeurs. Si ne nous stoppons pas la course à l'armement nucléaire, nos voisins intergalactiques vont venir nous mettre la fessée. Et perso, je trouve qu'ils ont un peu raison. Viendra ensuite les films pro-macartistes et pro-chrétiens, avec des aliens qui tuent de bons chrétiens ou montrent l'uniformisation de la pensée, cliché qu'ont les Américains sur le régime communiste. Les récits d'abduction ou d'enlèvement se succèdent. Le récit de Betty et Barney Hill, ainsi que celui de Travis Walton, font du bruit. Si bien que Fire in the Sky s'inspire de ces récits. Les traumas et les expériences que les aliens feraient sur ces pauvres gens sont détaillés. Je vous conseille aussi Communion, qui parle très bien de ce cas. À cette époque du cinéma, les aliens sont un peu vénères, ils veulent toujours envahir la planète, mais de manière assez localisée, pas de manière globale. Mais c'est peut-être à cause, du coup, des effets spéciaux. Ainsi donc, La guerre des mondes de Byron Askin, sorti en 1953, est le premier film à montrer une attaque généralisée. La guerre des mondes est un roman écrit par H.G. Wells en 1898.
élu par Orson Welles en homophone à la radio en 38. Mais en modifiant certains détails pour que cela soit plus réaliste à l'écoute. Cette expérience fera grand bruit. L'idée d'en faire un film avait dû être évoquée tôt, mais les techniques en matière d'effets spéciaux de l'époque n'avaient pas dû convaincre. Il faut donc attendre George Pal et son idée d'utiliser des maquettes grandeur nature plutôt que de l'animation image par image, rendant le tout plus réaliste pour voir ce petit film d'Alien sortir. Spielberg, grand amateur d'Alien, nous offrira un remake en 2005 avec le Tom Cruise dedans. La plupart des films se basent sur une invasion discrète et sournoise dans le style « on replace les jambes, hop, ni vu ni connu ». On peut citer les films « Le village des damnés » de Wolf Rilla de 60, puis son remake de Carpenter, lui aussi grand fan des aliens, en 95. L'invasion des profanateurs de Kaufman en 78, remake lui-même de l'invasion des profanateurs de Sépulture, je vous rassure, ce titre n'a aucun sens quand on voit le film. Les deux d'ailleurs ont le même nom en anglais et il est beaucoup plus parlant. Transforme les gens en êtres dénués d'émotion, ou encore Invasion Los Angeles du fameux John Carpenter, sorti en 88, qui visera alors l'administration Reagan et l'abrutissement du peuple qui veut bien dormir plutôt que de se battre. Le héros tombe sur des lunettes lui permettant de voir la réalité, car les aliens modifient les perceptions humaines à l'aide d'ondes radio. Et je dois dire que les messages en noir sur blanc, ça claque visuellement. Et les maquillages des aliens sont assez fous. Bref, cette bagarre de buddy complètement random au milieu du film qui dure littéralement 10 minutes, ce film est absolument génial à voir. Dans les invasions discrètes, on peut citer The Arrival de David Towie. À ne pas confondre avec le génial Arrival de Denis Villeneuve, qui nous propose des aliens infiltrés qui tentent de terraformer la planète. Un thème peu vu mais plutôt intéressant car il peut titiller nos amis parano et complotistes. D'ailleurs, je dois signaler que dans ces deux films, les aliens sont plutôt cool à voir en plus de nous parler de deux thèmes intéressants, l'écologie et la communication. Entre les genoux à l'envers et cette forme de tétrapode, je dois dire que c'est plutôt inventif. Et j'aime l'inventif. Si Carpenter tape sur les institutions, certains films tapent dans le religieux. En 1950, quelques grands chercheurs de cette période se sont réunis pour discuter, et l'un d'eux, Fermi, demande « Sommes-nous la seule civilisation intelligente et technologiquement avancée de l'univers ?» Ce qui créa le paradoxe de Fermi. Si nous ne sommes pas seuls, où sont-ils ? Le professeur Stephen Webb tente d'offrir plusieurs réponses et les groupe en trois catégories. La première, ils sont déjà là. La deuxième, ils existent mais n'ont pas pu nous joindre encore. Et la troisième, nous sommes définitivement seuls. Et c'est la catégorie numéro 1 qui nous intéresse, puisqu'on peut comprendre soit dans « ils sont là donc ils nous observent » ou « ils sont là car nous sommes les aliens ». Mais le plus souvent, la représentation dans les films des aliens est une représentation plutôt mystique et d'être venu d'ailleurs, ce qui se rapproche fortement de l'image des dieux. Dans « Meurtre sous contrôle » de Larry Cohen, ou même dans « Le jour où la Terre s'arrêtera », le ou les aliens sont représentés comme soit des messies, soit comme des dieux. Les religions sont mises à mal, car souvent les films prêtent des pouvoirs aux aliens et rendraient les ordres des dieux stupides, comme dans « Meurtre sous contrôle » où l'alien-dieu demande aux humains de tuer les leurs sans raison et ils s'exécutent. Le titre original, « God told me to », Dieu m'a demandé de le faire, est assez équivoque pour y voir les extrémistes de tous bords qui pensent avoir une mission divine et être le messager du ou des dieux. It's my job to find out. Well, I'll tell you anyway. God told me to. Ce qui nous fait découvrir la catégorie la plus exploitée du genre. Les aliens sont des gros méchants. Et on peut citer deux fers de lance du genre, Alien et Predator. Chacun à leur manière, ces deux aliens représentent et ont fait travailler l'imaginaire des spectateurs et spectatrices. Alien est tout d'abord fascinant par son esthétique due au génial Giger, artiste allemand, plongeant la tête la première dans ses phobies les plus profondes.
Il nous embarque alors dans le monde magique de la sexualité pas souvent consentie, du ventre maternel et mortel, ou encore de la mécanique répétitive. Dans Alien, et je pense faire un petit hors-sujet dessus, nous retrouvons la plupart de ces phobies. Le ventre, le viol, le mélange des genres, les sécrétions et l'instinct animal et de préservation. Car l'alien se dénote du prédateur avec son instinct que le prédateur a complètement fermé pour devenir un redoutable chasseur hyper intelligent et doté d'une technologie avancée. J'avoue qu'entre la team alien ou prédateur, je penche facilement vers l'alien car je préfère l'animalité. Surtout que je trouve que le prédateur est un poil cheaté comme personnage. Mais, et c'est pour cela que ces films ont une franchise longue comme le bras, mais aussi des mash-up, c'est que ces deux aliens ont su cristalliser les peurs ou les attentes que l'on avait face aux aliens dans la catégorie gros méchant bien sûr. Les aliens gentils existent et ils représentent tout autre chose, mais nous le verrons un peu plus loin. On va ensuite dans les années 80 se diriger vers une vision plus large encore de l'alien avec des regroupements interstellaires et un univers peuplé de créatures dans tous les sens. Normal car la guerre froide tend à s'effriter et on n'est plus obligé de se clasher par films interposés. La peur de l'autre continue mais elle s'exporte hors de la Terre. On découvre alors le space opera avec Star Trek ou Star Wars comme chef de file. La Terre et les Terriens sont maintenant des êtres au milieu d'autres êtres. Nous ne sommes plus seuls. Et plus indépendants. Star Trek, Stargate ou encore Doctor Who, comme série, font leur apparition ou continuent leur petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, et soit dit en passant, dans les films mettant en scène plein d'aliens dans une soi-disant alliance, où les Terriens sont parmi d'autres, on notera que peu d'aliens très différents de l'apparence humanoïde font partie des héros et héroïnes. C'est sûrement dû à un problème d'effets spéciaux, mais les films sont généralement humano-centrés et cela m'a particulièrement choqué dans La Bouse Valérien et Les Mille Planètes. J'aimerais bien voir un jour un alien gentil, de forme arachnoïde par exemple. On pourra citer Dune qui fait figure d'outsider avec sa morale écologique, son choix de décor archaïque ou encore le fait qu'il n'y ait pas de grande bataille dans l'espace. D'ailleurs, grâce aux évolutions des techniques, de plus en plus d'aliens prennent des allures différentes allant de la créature fantastique aux pires idées nanardesques. Le prédateur voit le jour avec son mélange de rasta et de bouche d'œuf d'alien. Ils sont des boules de poils dans Critters ou des clowns dans Killer Clowns from Outer Space. Parce que oui, pourquoi pas mettre deux trucs flippants en même temps ? Mais les aliens ne sont pas que des êtres sanguinaires ou à la recherche d'un nouveau monde à coloniser. Parfois, ils veulent juste s'intégrer. Dans Brother, un film de John Sayles, qui traite, sur fond d'aliens perdus sur Terre, de racisme, de ségrégation et d'immigration. Les aliens parfois tombent amoureux ou amoureuses des humains qu'elles croisent. Carpenter, après son alien polymorphe et flippant dans The Thing, revient dans un film à l'eau de rose nommé Starman. Jenny vient de perdre son mari, et un alien prend son apparence. Celle-ci va retomber amoureuse de son mari alien, même si elle sait bien que ce n'est pas un être humain. La famille est un thème que l'on retrouve souvent touché dans les films d'aliens, car que ce soit si on remplace un membre de la famille par un autre, dans l'invasion des profanateurs de sépultures, je vais pas m'y faire à ce titre, ou qu'un membre est en réalité un alien perdu comme dans « J'ai épousé une alien », ou encore dans le récent et magnifique Midnight Special de Jeff Nichols, le sacrifice d'un père pour son fils adoptif alien qu'il va aider à faire rentrer chez lui. La famille est au cœur des problèmes d'altérité. Que ferions-nous si même la cellule, le mot n'est pas adodin, familiale, n'était pas celle que l'on croit? Cela remet en cause l'entièreté de la réalité. Si l'autre le plus proche de nous n'est pas humain, que cela raconte sur nous? Ce thème de l'alien amical va surtout toucher les films pour enfants ou ados. Et là, vous pensez au E.T. de Spielberg et vous avez entièrement raison. Spielberg a aussi permis la rencontre du troisième type, avec des aliens présentés comme envahisseurs au départ mais qui terminent
en faisant un concert à la Jean-Michel Jarre. On peut aussi penser au géant de fer ou à Howard le canard qui fait du kung-fu. Ok. Puis vient la chute du mur de Berlin, et là, plus de guerre froide, plus d'ennemis visibles, plus de rouge à viser pour les US. Mais comme on ne change pas une équipe qui gagne, on cherche de nouveaux ennemis à combattre. La paix ? Connais pas. On découvre alors que les mêmes idées, le remplacement de gens, changent en fonction des époques. Si l'invasion des profanateurs de sépulture de 56 voulait montrer la conformité qu'apporterait le communisme, dans Body Snatcher, on y parle plutôt d'un cancer intérieur qui rendrait l'individualisme inefficace. Ça serait vraiment bête de ne plus être individualiste, tiens, dis donc. Les effets spéciaux passent alors un nouveau cap. Voici les aliens en CGI, pour le meilleur et le pire. On va pouvoir découvrir toutes sortes d'aliens, entre Independence Day, un produit purement américain, à Mars Attacks, qui se moque de tout ce qui tombe sous sa main, à Men in Black, film avec des aliens de tous bords, plutôt comiques. Car les films comiques ont aussi des aliens. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais l'alien permet de traverser tous les genres. On peut citer Spaceball de Mel Brooks, qui se moque des space opéras, Paul de Greg Mottola, ou encore Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde d'Edgar Wright, ou La Soupe aux Choux et Le Gendarme et les Extraterrestres pour les comédies françaises. Après, je trouve pas du tout que ça soit les meilleurs films de cette sélection. Puis vient une idée au scénariste. Et si c'était les humains, les connards dans l'histoire ? Dans Starship Troopers, l'idée est que ce sont les gouvernements qui mentent aux populations pour obtenir de nouveaux territoires. Zekemapitch. Hein ? Et dans District 9 de Neil Blomkamp, les aliens se sont échoués sur la Terre mais veulent rentrer au plus vite chez elles, sauf que les humains les parquent plutôt que les aident. Cela permet de parler de l'apartheid en passant. Les aliens sont de plus en plus considérés comme des êtres doués de vie, et parfois même de sentiments. Dans Monsters de Gareth Edwards ou dans Cloverfield, les aliens sont des êtres perdus et malheureux. Dans Under the Skin de Jonathan Glazer, comme dans Dark City d'Alex Proyas, les aliens tentent de comprendre la complexité de l'âme humaine. À leur manière, c'est sûr. L'alien est un thème extrêmement fort pour parler de l'autre quel qu'il soit. Dans l'autre, on retrouve de la peur, mais surtout de nous-mêmes. Et c'est ce qu'ont compris les scénaristes des nouvelles générations. Ainsi donc, on oscille en permanence entre menaces mortelles et gentils êtres venus d'ailleurs. L'alien a du mal à être complexe et ambivalent. Il y a Communion qui arrive à nous faire douter sur les intentions des aliens, si alien il existe, car le personnage pourrait être fou. La figure de l'alien, d'ailleurs alien veut dire en latin venu de l'autre, l'autre ou exotisme, a encore de grandes symboliques à porter. Il y aura toujours besoin de cet être venu d'ailleurs pour nous demander si nous sommes toujours seuls dans l'univers ou nous demander qui est l'autre. Voilà, cet épisode un peu fleuve est à présent terminé. J'espère vraiment de tout cœur qu'il vous aura plu. Je n'ai pas pu évidemment placer tous les films sur le sujet, il y en a tellement. D'ailleurs, en commençant, je ne pensais pas remuer un tel tas. Et j'ai, grâce à cet épisode, pu découvrir une dizaine de films sur le sujet, des classiques que je n'avais pas encore vus. D'ailleurs, si vous avez des films d'aliens préférés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en n'oubliant pas que je ne peux pas avoir tout vu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à commenter, à liker, tout ceci me permet de savoir si ça vous plaît et surtout ça pourrait me donner plus de visibilité pour faire des choses encore plus balèzes. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux, généralement je réponds à tout, souvent avec des gifs. Et surtout n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour faire coucou aux aliens qui nous regardent. Et sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et regardez le ciel. Regardez le ciel qui était le titre original de Rencontre du troisième type. Oui, parce que j'ai pas pu le placer avant, alors je me suis dit que j'allais le mettre.